Bonjour, bonjour et bienvenue nous dans ce vlog lecture où c'est lire un maximum de petits livres, donc de maximum 200 pages, voilà, en 5 jours. Et voici donc la petite pile que j'ai prévu de lire. Ouais, ils sont à l'envers. Hein. Donc il y a Maman à moi, Le cercle des poètes disparus. Papa est en bas. L'affaire des fées de Cottingley. Térébenthine et Alistair. J'aime. Et quatre sœurs à cheval. Donc voilà la petite sélection. Il y en a 7. Donc en 5 jours, mon maximum, enfin le minimum que je voudrais bien lire, c'est 3. Et si je lis plus, tant mieux. Et voilà, je vais aller m'installer maintenant sur la terrasse et je vais commencer avec ma première lecture qui sera Maman à moi. Donc, je reprends plus tard. Donc nous sommes le jeudi 18. Voilà, j'ai pas beaucoup lu hier. Donc comme vous avez vu, je suis dans l'affaire des fées de Cottingley, donc de Natasha Henry. Mais avant ça, je voulais faire mon retour lecture donc sur Maman à moi, donc de Valérie Bonneton. J'ai bien aimé, c'était tout mignon. Il faut dire que ben, ici à la maison, on a aussi un bichon. Alors, c'est une femelle, mais je l'imagine, c'est vraiment très intéressant d'avoir les pensées donc, de ce petit chien qui s'appelle Gaston. Et je trouvais ça très touchant, très drôle parfois. Et voilà, donc j'imagine bien donc, notre petite Onyx. Dire ce genre de choses dans sa tête et donc voilà, c'était un très bon une très très bonne surprise. Donc sinon comme je vous le disais, j'ai commencé donc ben, le lundi soir, j'avais commencé déjà l'affaire des fées de Cottingley. Il y a juste mardi où il a fait plus vieux et j'avoue que je n'ai pas lu. Je préfère lire au soleil en général. Et hier j'ai un peu lu, j'ai lu 2 chapitres. Et donc, je continuerai aujourd'hui ma lecture. Et de toute façon, demain, je clôture ce petit vlog lecture. Et je pense que je ferai les avis. Soit je ferai l'avis tantôt quand j'aurai terminé. Soit je ferai mon avis sur l'affaire des fées de Cottingley demain avec un autre livre que j'aurai certainement commencé. Donc, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends. Donc nous sommes déjà donc le dimanche 21 juillet. Normalement, j'avais prévu de clôturer donc ce vlog le 19, le vendredi 19 juillet. Mais disons que j'ai eu une journée assez compliquée pour des raisons perso. Et vous avez vu, hier j'ai filmé, surtout le soir, le moment où j'ai lu quand même quelques livres. Et donc du coup, j'ai changé le nom du vlog. Ce ne sera pas 5 jours, mais plutôt 7 jours.
Et je voulais donc revenir sur ma lecture donc, de l'affaire des fées de Cossingley, donc de Natasha Henry. J'ai bien aimé, j'étais agréablement surprise de cette histoire. J'ai trouvé très intéressante, et puis c'est sous fond de la Première Guerre mondiale aussi. Et je trouve que pour les jeunes, c'est très intéressant d'avoir, même si il y a le côté un peu. Enfin, ouais, légèreté entre guillemets, du côté des filles, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce fait réel, et donc moi ça m'a bien plu. Et surtout, voilà, le livre en fait il s'arrête ici, donc à la page exactement 132. Donc là c'est l'épilogue, après il y a un remerciement, et ensuite il y a donc la table des matières. Une présentation d'autrice, et après il y a un dossier où il y a même des archives, des photos où on parle de donc des deux jeunes filles donc qui sont dans l'histoire de ces deux jeunes filles, donc Elsie et sa cousine française Frances. Et moi j'ai vraiment bien aimé, je vous conseille fortement de le découvrir. Alors comme vous l'avez vu, actuellement je suis en train de lire donc Papa est en bas de Sophie Adriansen. Donc c'est ma troisième lecture de ce vlog. Je pense que je vais vite le terminer. Il me reste, je pense que je suis plus ou moins quasi à la moitié. Et après, ben, il me reste. Je ferai choisir normalement dans trois livres qui me tentent énormément. Et voilà. Donc je reprends plus tard. Clôturer ce vlog lecture en vous parlant évidemment des deux dernières lectures. Alors comme vous l'aurez vu, j'ai fait choisir ma maman et qui donc elle m'a sélectionné un livre. Je me suis également changée parce que ben, finalement pendant un petit temps il n'a pas fait hyper moins chaud que je pensais. Bon, finalement après le soleil est revenu mais je n'avais pas rechangé de t-shirt. Donc je voulais vous revenir donc sur Papa est en bas donc de Sophie Adriansen. Donc c'est un livre qui parle de handicap et dans les yeux d'une jeune fille, oui, et qui parle donc de la maladie de son papa, de ce que ça change dans sa vie. J'ai trouvé ça très touchant, très émouvant. Il y a des moments où je me suis passée du rire où j'avais les larmes aux yeux. J'avais la gorge nouée, etc. Donc, enfin, je trouve que c'est très bien comme roman pour un peu parler de la maladie, même de ce que ça change quand, du handicap, etc. Donc, je vous le conseille fortement. Et enfin, j'ai lu donc, 4 sœurs à cheval donc, de Sophie Rigel-Goula. Voilà, donc ça, c'est les livres qu'on m'a choisi. Et comme à chaque fois, je suis très fan. Des 4 sœurs, même voilà, si ça reste toujours de la littérature jeunesse, j'aime vraiment bien, je trouve vraiment super adorable. Donc là, elles m'ont emmenée en Camargue et c'était très dépaysant et j'ai bien aimé. J'ai été vraiment agréablement surprise par un personnage, je ne m'y attendais pas du tout et voilà, donc c'était très très chouette et c'est toujours avec de beaux messages, de belles thématiques et voilà. Donc voilà, je vais pouvoir clôturer donc ce vlog lecture maintenant. Je pense que j'en referai un autre dans le courant du mois d'août, vu que comme vous avez vu au début il y avait 7 livres et il m'en reste plus que vu que j'en ai lu 4, il m'en reste plus que 3 encore à lire, et donc je pense que ça peut être une chouette vidéo encore dans le courant du mois d'août de vous refaire un vlog lecture, donc soit en 5 ou 7 jours.
Et ben, j'espère que ce vlog lecture vous a plu. Donc, à très bientôt pour de prochains vlogs ou de prochaines vidéos.